Voilà, c'est bon. C'est bon ? Nous sommes maintenant avec Denis Durand, directeur d'économie et politique. Denis, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle que peuvent jouer les banques dans les emplois, les salaires et les objectifs environnementaux ? On veut changer radicalement la société, on veut construire une civilisation où la priorité va aux êtres humains, à l'emploi. On veut construire une sécurité d'emploi et de formation et non pas mettre l'économie au service des profits. Ça demande beaucoup d'argent et ça demande de changer radicalement l'orientation des crédits bancaires, 2000 milliards d'euros. Il faut qu'ils servent à soutenir les PME avec des taux d'intérêt très bas. Il faut qu'ils servent à développer les services publics. Et il faut que ça serve à développer la réindustrialisation écologique du pays et de l'Europe et à des coopérations internationales. Ça demande des changements très profonds. Ça demande aussi d'arrêter avec le massacre de l'emploi au ministère des Finances, dans les banques, à la Société Générale, à la Banque de France. Et en quelque sorte, les 500 000 salariés des banques, des assurances, de l'administration des finances sont concernés de multiples façons par ce vaste projet de société de construction d'une sécurité d'emploi et de formation pour toutes et tous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on soutient la candidature de Fabien Roussel. Merci.